Thank you for viewing this YouTube archive of a Conscious Consumer Network broadcast. Please feel free to share it far and wide. Check out our weekly broadcast guide for weekly updates on scheduled broadcasts. Help keep us on the air by contributing to our network support fund. You can follow us on Facebook and Twitter, or get in touch by email. We thank you for supporting free and independent media. Thank you. Hi, hello everybody, hello everyone. Cette émission est en français, en fait, je voulais juste vous faire une petite blague. Donc voilà, je vous remercie eh bien, de me rejoindre ce soir pour ma première émission. Donc cette émission s'appelle Transcendance, voilà. J'espère que vous êtes nombreux sur le chat puisque c'est un moment dans lequel eh bien, on peut partager, interagir ensemble. Voilà, donc on va faire... vous pouvez m'interroger, me poser des questions. Je vais un petit peu vous expliquer lors de cette émission eh bien, qui je suis. Je vais vous dire également pourquoi je suis aujourd'hui sur, eh bien, sur ce channel, sur cette web TV, sur cette chaîne donc indépendante qui est CCN. Je vais également revenir sur mon parcours et essayer en fait de partager un maximum de mon expérience pour que vous puissiez eh bien, vous reconnaître. Voilà, et en dernier, donc j'aborderai les thèmes donc, des futures émissions. Voilà, donc j'aimerais eh bien, qu'on puisse échanger. Et je vais donc vous parler donc, en direct. Donc bonjour à vous tous. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, etc. Voilà. Comme on dit en anglais, feel free. Et eh bien, j'espère être avec vous donc, voilà, pendant tout ce maximum de temps. Alors, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur qui je suis. Donc, on est ensemble dans cette émission, on sera ensemble si vous le voulez bien, si vous voulez me suivre et suivre les émissions, chaque mardi à 22h, donc de 22h à 23h. Alors, je vais revenir sur qui je suis. Donc, je m'appelle Céline Joyce Doué, vous m'avez peut-être rencontré déjà en physique, vous m'avez peut-être parlé sur Facebook, vous m'avez peut-être vu en vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, j'aimerais donc vous dire ce que je fais dans un premier temps. Je suis coach d'entrepreneur. Alors, coach d'entrepreneur de différents niveaux. J'accompagne des gens qui donc sont actuellement employés, sont des experts dans quelque chose, des gens qui ont fait des études longues, des gens qui sont arrivés en fait au bout de quelque chose, des gens qui ressentent qu'aujourd'hui ils ne sont plus vraiment à leur place et qui ont envie en fait de se recentrer, de se rapprocher de qui ils sont et de créer en fait une vie dans laquelle ils se sentent plus alignés, plus authentiques. Donc c'est ce genre d'entrepreneur que je coach. Je coach également des gens qui ont déjà transformé leur vie, qui sont dans des métiers donc d'aide aux autres, qui ont décidé de se tourner en fait vers l'humain. Voilà. Donc c'est des gens qui peuvent être coach, thérapeute, mais qui sont un peu trop généralistes, on va dire, et qui recherchent en fait à développer encore plus leur potentiel. Ce sont des gens qui souhaiteraient également eh bien, être plus alignés à eux-mêmes et puis bien toucher un peu plus de monde et faire grandir eh bien, leur société. Voilà, je touche un autre type de personnes également. Donc, je touche également des dirigeants d'entreprises. Donc, j'ai quelques dirigeants d'entreprises avec qui eh bien, j'échange et j'aide eh bien, à passer certaines croyances, barrières,
peur et à passer quelques difficultés également, puisque quand on est dirigeant d'entreprise, eh bien, on a la vie n'est pas toujours facile ou la vie n'est pas toujours agréable. Il faut trouver également un moyen de dépasser le stress. Il faut trouver également un moyen de pouvoir trouver la juste balance entre leur business et la vie personnelle, voilà, donc professionnelle, personnelle, qui les aide également à eux aussi se rapprocher de leur authentic self, donc de qui ils sont. Je les aide à avoir certaines valeurs humaines et finalement, je les aide sur des méthodes pour remettre l'humain au cœur de la société. Voilà, donc remettre l'humain au cœur de leur société, c'est-à-dire que j'ai déjà été faire un audit, par exemple, au Liban, pour, on va dire, travailler avec les gens, les managers, les gens qui sont responsables de d'autres personnes dans l'entreprise, pour finalement trouver des meilleurs moyens de communiquer tous ensemble, recréer du lien énergétique positif entre les départements. Voilà, donc en fait, essayer de créer une cohésion et une énergie d'ensemble où les gens réalisent que de toute façon, ils vont vers un autre, ils vont tous vers le même objectif et comment mieux fonctionner. Donc voilà, donc tout ça, c'est la bulle du coaching, donc coaching d'entrepreneur. Donc vous pouvez vous poser la question de pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui. Ben justement, je m'adresse à vous parce que j'ai également donc d'autres cordes à mon arc, on va dire, et j'ai décidé en fait d'incarner qui je suis. J'ai décidé d'incarner mon potentiel. Donc j'estime que chacun d'entre nous a du potentiel, d'accord, et que finalement c'est dommage de vivre sa vie sans créer, sans développer ce potentiel qui est vous. Voilà. Donc finalement. J'ai créé en fait des ateliers pour tous. Donc j'ai créé des ateliers pour tous. J'ai créé des ateliers du développement de l'intuition, créé des ateliers de suivi de lecture d'âme. Donc je fais des lectures d'âme pour tous. Donc c'est des séances d'une heure où les gens en fait qui se questionnent, qui sont en quête de trouver vraiment qui ils sont, qui ils veulent avancer mais ne savent pas comment, en fait, donc ils vont finalement venir dans mon cabinet et prendre une séance pour creuser en eux, pour que en fait je puisse atteindre leur subconscient, leur être supérieur, leur âme, l'appeler comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, ils sont là pour entendre des messages qu'ils n'entendent pas ou qu'ils n'entendent pas clairement en eux. Donc voilà. Donc je m'occupe également donc des gens, on va dire le monsieur tout le monde, le particulier, même si vous n'êtes pas des entrepreneurs, sur des séances courtes. Voilà. Et j'ai également organisé ce que j'appelle des groupes de vortex positifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un groupe de vortex positif? Eh bien, quand j'ai le temps, je décide en fait de donner de l'énergie. Donc, on est tous énergie et on est tous capables de créer de l'énergie positive et de l'énergie négative. Et en fait, cette énergie-là, moi, c'est créer de l'énergie positive, pardon, pour l'envoyer à des gens qui, par exemple, souffrent, qui sont dans une souffrance, qui ont, par exemple, des cancers, qui ont des douleurs, etc. Donc, je regroupe quelques personnes pour faire un transfert d'énergie. Donc, c'est comme on se concentre tous, en fait, et on va créer de la visualisation pour apporter de l'énergie positive à des gens qui en ont besoin. Donc, aujourd'hui, j'ai toujours une petite dizaine de personnes qui m'accompagnent dans cette démarche, des gens qui me soutiennent. Donc, je voulais également les remercier ce soir parce que sans eux, eh bien, on ne pourrait pas
comment dire, on pourrait pas faire ce qu'on a fait de bien. Je pense à Maria, par exemple, qui était un exemple d'une femme qui avait le cancer et à qui on a fait du transfert d'énergie et à qui on a permis eh bien, de vivre un peu plus longtemps. Donc voilà, donc coach entrepreneur, des ateliers pour tous, des lectures d'âme pour tous et du bénévolat pour des gens qui ont besoin de remonter l'énergie. Voilà, donc ça, c'est, j'ai essayé en fait d'expliquer un petit peu qui je suis et ce que je fais actuellement. Alors, pourquoi cette émission Transcendance? Parce que ma mission et la mission qu'on m'a donnée ou la mission avec laquelle je suis venue ici, eh bien, c'est de transformer, alors transformer, c'est peut-être un mot fort, mais du moins, c'est d'éveiller les gens et de faire en sorte que chacun puisse se rapprocher de soi. Donc, ça me tient énormément à cœur de faire ça. Ça me tient à cœur aujourd'hui eh bien, d'avoir cette belle opportunité que la chaîne CCN m'a donnée. Et je voudrais remercier également Amira, puisque aujourd'hui, finalement, je peux toucher un plus large public et je peux partager mes idées, mes enseignements, mes expériences de vie avec vous. Et je suis vraiment très contente de le faire. Il y a quelques personnes qui, pour l'instant, ne peuvent pas se payer un coaching. Il y a quelques personnes qui ne peuvent pas avoir des séances assez fréquentes et développer leur potentiel. Donc, à travers ces émissions, eh bien, c'est surtout de répondre à vos questions, c'est de créer un échange, de faire en sorte que ces émissions soient interactives, que vous prenez du plaisir, qu'on essaie de monter l'énergie ensemble et que vous puissiez vous raccrocher à la joie. Voilà, et surtout à votre être authentique. C'est également vous donner des informations sur ma vision des choses, l'âme versus l'ego. Il y aura plein d'émissions, des émissions comme une émission sur l'intuition, une émission sur l'enfant intérieur, une émission sur qu'est-ce que le déconditionnement, qu'est-ce que ça veut dire être conditionné, des émissions sur la transition planétaire. J'aimerais revenir également sur des émissions pour faire des séances ensemble de méditation guidée à travers ces émissions. Voilà, donc je vous réserve énormément de choses. Voilà, j'ai tout plein d'idées. J'aimerais également, lors des émissions, eh bien, échanger avec vous, comme je l'ai dit. Je souhaite également inviter des belles personnes que j'ai rencontrées, donc, qui sont absolument dans le cœur, des personnes qui font évoluer ce monde. Alors, il me semble qu'on a eu, c'est les aléas du direct, on a eu une petite coupure. Je crois. Ok, alors apparemment ça fonctionne très bien. Donc je vais continuer. Voilà, donc c'est l'occasion également pour moi de faire en sorte justement de vous présenter des gens. Donc des gens, des personnes qui ont travaillé avec moi, des personnes qui souhaitent également éveiller, des personnes qui sont dans le cœur, des personnes qui veulent éveiller les gens sur des méthodes de santé. Donc des méthodes de santé alternatives. J'aurai des invités également sur des sujets comme la nutrition, comment se nourrir correctement. J'aurai des personnes qui éveilleront également vos consciences sur parfois la manipulation de certaines personnes, recréer son environnement positif avec des gens, donc comment bien s'entourer, comment faire en sorte que on se sente soutenu par les autres. Je ferai une émission également sur les adultes zèbres. Donc voilà, donc au programme, il y aura énormément de choses. Voilà, donc je vois que quelques petites personnes me disent hello, donc je réponds, merci. Hello Théo, salut Amira et merci pour ton petit message. Voilà. Donc
des tests d'énergie, philosophie de vie, que chacun crée en fait du lien positif pour lui et pour son entourage. On peut voir qu'actuellement, on est dans une société dans laquelle, si on allume notre télé, les news sont pas forcément très joyeuses, c'est pas forcément très positif. Et justement, comment je fais pour éviter de me nourrir de tout ce vortex en fait négatif et de continuer à créer de la joie, continuer à créer du bien-être et être au-dessus et bien de ce vortex en fait qui parfois peut nous ralentir dans nos activités. Voilà, donc je parlerai de toutes ces choses. Voilà, je vais maintenant passer sur mon parcours, puisque certains, comme je disais, d'entre vous me connaissent, d'autres pas. Donc, mon parcours, et là, c'est peut-être l'occasion aussi pour vous de penser au vôtre. Donc, pensez à votre parcours, c'est, je vais vous raconter des choses, sur ma vie, et vous allez peut-être entendre des messages pour vous. Vous allez peut-être pouvoir comparer les situations. Ça va vous parler. Donc, je vous conseille de vous munir éventuellement d'un papier et d'un crayon pour noter vos idées, puisque parfois on a des pépites qui arrivent et on ne sait pas trop. En fait, on oublie de les noter ou on oublie pourquoi on a entendu ça ou qu'est-ce qu'on avait entendu déjà. Donc, c'est bien de prendre des notes si vous le souhaitez. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Et vous pouvez noter des petites choses pour vous également. Voilà, donc je vais faire augmenter l'énergie. Donc ça, c'est un petit peu un test de concentration pour moi. Pour faire augmenter l'énergie, vous pouvez peut-être le ressentir, mais j'ai un petit stress, hein. J'ai pas forcément l'habitude de parler comme ça à mon écran. Mais voilà, je vous parle à vous, donc c'est ce qui importe. Alors, je vais reprendre mon parcours sur le « qui suis-je » et je vais un peu diviser ma présentation par partie. Comme ça, c'est intéressant que vous puissiez aussi vous retrouver dans vos parties. Alors, je vais commencer par l'enfance. Donc, mon enfance, je suis née à Versailles, en France. J'ai grandi à la campagne. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça chouette parce que j'étais entourée de nature. J'ai pu mettre ma créativité dans du concret, faire des chasses au trésor, rouler au milieu de la route parce que c'est pas dangereux. Donc une forme de liberté dans l'enfance. Et je dirais que l'enfant que j'étais un enfant connecté et un enfant très créatif, très tourné vers l'expression de soi. Donc, pourquoi je prends du temps pour vous expliquer l'enfant ? Parce que ça serait bien qu'on s'arrête et que vous puissiez vous poser la question, là, chez vous, qu'est-ce que vous faisiez, vous, quand vous étiez enfant ? Donc, est-ce que vous aimiez marcher dans la forêt et récupérer des feuilles par terre pour les coller sur du papier ? Est-ce que vous aimiez monter démonter des ordinateurs ou des jeux jeux électroniques ou bricoler des choses électroniques chez vous, démonter pour remonter? Est-ce que vous étiez plus dans l'expression de chanter, de danser? Qui étiez-vous justement quand vous étiez enfant? Et reconnectez-vous 2 secondes à qui vous étiez. C'est-à-dire que vous pouvez fermer les yeux et vous dire, tiens, qui j'étais, qu'est-ce que je vois. Donc si je ferme les yeux et que je réfléchis qui j'étais quand j'étais enfant, eh bien je sais que j'organisais des chorégraphies dans mon jardin et je mettais de la musique à fond et je chantais également. Donc c'était mon côté artiste, mon côté naturel, mon côté sans conditionnement, sans rien, et mon côté de joie. Donc reconnectez-vous à qui vous étiez. Et qu'est-ce que vous pensiez justement de vous, enfant, et revoyez ces images de joie, de sourire, de quand vous étiez libre de faire plein de choses et que personne ne vous mettait dans une boîte, dans une case, où vous disiez, ben voilà, maintenant il faut avancer de telle ou telle façon. Voilà. Donc l'enfant que j'étais également,
J'étais une enfant connectée. Alors, une enfant connectée, ça veut dire quoi? Eh bien, j'avais des rêves prémonitoires. Je parlais des gens et puis 2 minutes après, ils nous appelaient à la maison. Ou bien, j'étais une enfant qui, la nuit, entendait des pas sur sa moquette. Ou alors j'entendais des chevaux ou j'avais l'impression effectivement qu'il y avait des fantômes dans ma chambre. Donc j'avais du mal à dormir parfois, je transpirais, j'avais des gouttes voilà, qui coulaient et j'allais voir mes parents pour leur dire j'arrive pas à dormir, faites quelque chose. Mais pourquoi j'insiste sur cette phase d'enfant connecté? C'est parce que j'estime qu'à ce moment-là, j'avais pas bridé mon intuition. Voilà. Et ce qui serait important pour vous, c'est de vous dire, je vous pose la question, là, est-ce que vous, quand vous étiez enfant, est-ce que, justement, vous aviez cette forme d'intuition? Est-ce que vous aviez le sentiment que la vie était belle? Est-ce que vous aviez ce sentiment que... de se comporter en être humain et d'être gentil avec les gens autour de vous, est-ce que c'était normal? Est-ce que c'était normal de sourire? Est-ce que c'était normal de sauter? Est-ce que c'était normal de crier? Voilà. Donc, qui étiez-vous? Et c'est également important de se reconnecter à l'espace, les gestes que vous faisiez. Est-ce que vous étiez plus décontracté? Vous n'aviez pas honte que les autres vous jugent ou ce genre de choses? En fait, j'insiste vraiment sur cette phase de votre vie. Donc voilà qui j'étais quand j'étais enfant. Ensuite, j'aimerais parler avec vous de la phase, donc on va dire de l'adolescence et des choix qu'on doit faire au niveau des études. Donc là, par exemple, quand vous exprimez que vous voulez être un artiste, alors moi, par exemple, j'avais envie d'être une chanteuse. Alors on me disait, bah non, chanter, c'est pas vraiment un métier, c'est pas, il n'y a pas forcément de sécurité, ou alors trop peu de gens arrivent à être chanteurs. Tu devrais prendre une voie plus dans la sécurité pour gagner de l'argent, donc une voie plus logique. Et puis si tu peux faire également beaucoup d'études, alors ça sera tant mieux, puisque cette société dans laquelle vous vivez actuellement, elle vous demande en fait de prendre un chemin qui n'est peut-être pas le vôtre, vous ne savez pas trop, mais en tout cas, on vous demande de prendre un chemin de la sécurité. Alors, de la sécurité, pourquoi? Parce que vous le savez tout comme moi, on a besoin dans cette société de survivre, de vivre ou de survivre. Et bien évidemment, il faut gagner de l'argent. Et donc, plus vous avez d'études, plus vous allez être haut dans la société, plus vous allez gagner de l'argent. Donc ça, c'est un petit peu, on part tous dans ce mode de « Allez, c'est parti, je pars à la conquête des études » ou alors « Je pars à la conquête de l'argent ». Sauf que, ce que je peux vous dire entre parenthèses actuellement, c'est que moi, j'ai vu pas mal de gens, en fait, gagner de l'argent et ils ne sont pas forcément heureux. Certains le sont, d'autres pas. Mais en tout cas, l'argent n'est qu'un moyen. L'argent n'est pas une fin. C'est-à-dire que moi, je souris souvent quand je vois des gens qui sont aisés, qui ont les moyens de tout faire parce que c'est sans limite. Et finalement, ils ont trop de problèmes, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils sont bloqués psychologiquement. Alors qu'ils ont tout, ils ont ce que la plupart de la population recherche. Beaucoup de gens courent après justement la quête de la recherche de l'argent. Donc finalement, tout le monde passe sa vie à ça, et ceux qui ont déjà l'argent, ils passent leur vie à faire autre chose. Donc on se rend compte qu'à un moment donné, en tout cas, l'argent n'est pas forcément... une fin ou une joie, elle peut contribuer à vous faire faire des choses, parce que si vous avez envie de voyager, si vous avez envie d'apprendre ou d'acheter des choses pour vous faire plaisir, bien sûr, il en faut. Donc, vous comprendrez qu'à l'adolescence, beaucoup d'entre nous, en fait, se tournent vers des études. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça a été mon cas. Donc, j'ai fait des études. Alors, pour moi, je mets une valeur sur tous. C'est-à-dire que vous ayez fait de longues études ou de courtes études ou pas d'études, pour moi, ce n'est pas un critère de savoir si vous êtes intelligent ou pas. Peut-être que ce sera un critère de est-ce qu'on est plus ou moins cultivé par rapport à ce qu'on a appris, mais je ne pense pas que de toute façon, ça change quoi que ce soit, puisque les études peuvent vous ouvrir des portes, en fait, par rapport à ce système comme il est fait aujourd'hui. Je pense que faire des...
faire des études, voilà, ça ouvre des portes dans certaines sociétés. Mais j'espère que si vous n'avez pas fait d'études, j'espère que vous vous êtes validé en tous les cas, puisque ce n'est pas un critère important. Moi, je connais des gens, ils sont autodidactes, ils n'ont pas fait d'études et pourtant, ce sont des gens brillants qui ont inventé des concepts absolument géniaux. Et voilà. Aujourd'hui également, pour tous ces gens qui n'ont pas fait d'études, si ça vous parle, vous avez la possibilité aussi de vous connecter et de faire des recherches et d'apprendre tout seul si vous le souhaitez. Donc rien n'est perdu et tout est là pour vous, puisque voilà, on a accès aujourd'hui même à des cours à distance, etc. Donc, j'ai pris cette voie des études et cette voie des études, eh bien, j'avais envie de faire psycho parce que j'étais tournée vers l'humain. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse, c'est comment réagit l'humain, comment se développe l'humain. Donc, je voulais faire de la psycho, mais tout le monde m'a dit, surtout ne fais pas ça, c'est complètement bouché, ça ne sert à rien. Donc, prends un autre chemin. Donc, j'ai réfléchi et finalement, j'ai fait du business. Bon, alors je me suis tournée vers un IUT technique de commercialisation, si ça parle à certaines personnes d'entre vous. J'ai fait également, j'ai fait un an à Londres, après ce DUT en fait, de technique de commercialisation. J'ai fait un an en tant qu'assistante prof de français parce que mon allemand était meilleur que mon anglais, donc je voulais absolument continuer, donc je suis partie un an. J'ai appris en fait que quand on est prof, en fait, c'est de la négociation. Alors, quand tu es prof, tu négocies avec des étudiants qui n'ont pas forcément envie d'apprendre, et toi, tu essaies en fait de leur faire comprendre que c'est important pour eux. Donc, c'est très... c'est pas forcément évident chaque jour, mais j'ai mis beaucoup de créativité dans la façon dont j'apprenais du français aux petits anglais. Parce que si c'était pas drôle, si ça passait pas par le jeu, ils n'avaient pas envie de m'écouter. Donc moi, c'est aussi quelque chose qui est pour moi fondamental, c'est que dans votre vie, c'est important de créer de la joie et de faire les choses en s'amusant. Si vous faites des choses dans votre vie, vous vous dites, ok, je vais me forcer, je vais aller faire ci, demain matin, je vais encore me lever pour ce taf, je vais encore faire ça. Alors oui, forcément, on a besoin de gagner sa croûte, on a besoin de gagner sa vie, très certainement. Mais par contre, vous pouvez peut-être faire des choses faciles qui vous ressemblent plus pour gagner votre vie. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Mais en tout cas, je pense que dans cette vie, il faut essayer de créer le maximum possible de joie et d'énergie positive pour soi et pour les autres. Donc voilà, j'ai eu cette année à Londres et puis j'ai continué sur ce parcours. Vous aussi, vous avez dû changer, avoir un parcours avec riche de tout plein de choses. Et j'ai fait donc une école de commerce que je ne recommanderais pas forcément, dans laquelle je ne me suis pas retrouvée. Donc j'ai appris plein de choses, mais je me suis dit, ok, quel est mon intérêt d'investir dans cette école? Parce que pour moi, ça ne résonnait pas. En fait, j'ai l'impression d'avoir été victime un petit peu d'un produit. On m'a vendu un peu un produit périmé. Voilà, donc je ne citerai pas forcément cette école. Mais donc du coup, j'ai changé et j'ai dirigé mon parcours vers une maîtrise de commerce international. Donc, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que l'IUT, je l'ai fait à Issoudun, entre Bourges et Châteauroux. Je suis partie un an à Londres. Ensuite, je suis revenue, j'ai fait un an d'une école à Paris. Et puis, j'ai fait une maîtrise en commerce international dans le sud de la France, à Mazamet. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que n'hésitez pas à vous donner des challenges. N'hésitez pas à bouger. En fait, on explique un petit peu dans la vie. Avant, tu avais... tu faisais tes études, tu avais un boulot, tu avais une femme, puis tu faisais des enfants, et tu étais dans une maison, et voilà ta vie. Donc, c'était un process, on va dire, linéaire. En fait, il y a des gens qui continuent à s'accrocher à ce process très linéaire et en fait ils suivent pas le flow et l'évolution de ce qui se passe autour d'eux, c'est-à-dire que leur environnement à l'extérieur évolue et bouge et finalement eux ils essaient de rester sur leur position alors que eux ils devraient peut-être suivre le mouvement ou suivre parce que finalement
si tu restes dans ton côté linéaire où tu te dis que tu as appris telle chose et que tu as fait ça, moi je vois des gens qui effectivement ont fait des grandes écoles, qui effectivement ont trouvé un bon poste et qui ont pris un poste et qui et ils sont passés leur vie comme ça en forme linéaire. Et finalement, à un moment donné, ils ont 50, 55 ans et la société dans laquelle ils ont été pendant des années, eh bien, ils ont plus leur place. Donc, on les vire du jour au lendemain. Et bonjour la catastrophe. Pourquoi bonjour la catastrophe? Parce qu'ils n'ont pas suivi le flot de l'énergie, ils n'ont pas appris de nouvelles choses, etc. Donc, si vous sentez que vous retenez quelque chose au bout des doigts et que ça va tomber, j'ai envie de dire créer créer tout de suite un nouveau chemin pour vous-même qui vous ressemble, d'accord? Parce que vous êtes le propre receveur de votre vie, je pense. Et en plus, je pense également que nous sommes tous guidés, soit par notre être supérieur ou soit par autre chose, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous guide. Et je pense que de se rattacher à votre intuition fait que vous pouvez comprendre et vraiment vous faire confiance et suivre votre propre chemin. Donc, j'en reviens à effectivement un an donc en tant que responsable en commerce international dans une école où j'ai fait ma maîtrise à Mazamé, près de Castres, Albi. Donc bonjour Jean du Sud s'il nous écoute. Voilà. Et en fin de compte, le nom de cette école brillait beaucoup moins que l'école à Paris, beaucoup moins de renommée que cette école à Paris. Donc l'école à Paris, de l'extérieur, c'était Strass et Paillettes. Et à l'intérieur, personnellement, j'avais l'impression de jeter mon argent par les fenêtres. Donc, moi, j'ai décidé d'être authentique et de ne pas me voiler la face. Et je ne voulais pas jouer sur une image qui, finalement, ne m'apportait pas ce que je voulais. Donc, c'est pour ça que je suis partie dans le Sud. Et j'ai fait cette formation excellente. Donc, une formation peu connue, dans une ville peu connue. Mais en tout cas, les profs et les intervenants étaient d'une ESC à Toulouse. Et finalement, je m'en foutais de l'image. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment qu'est-ce que j'apprends ici et l'argent, en fait, que je mets, l'investissement que je fais sur moi à travers cette école, qu'est-ce qu'il m'apporte concrètement. Donc après, j'ai fait un stage en tant que commissionnaire de transport à Toulouse. Voilà, je suis allée dans un milieu. Donc, vous voyez aussi, par rapport à ce que je vous décris, ce qui est important, c'est d'être dans l'action et suivre ce que vous ressentez au fond de vous. C'est-à-dire que moi, je ne serais pas où je suis aujourd'hui à vous parler si je n'avais pas fait tout ce chemin. Donc, parfois, on se dit « Ah, j'adorerais faire tel objectif, j'adorerais atteindre tel… » Oui, mais ce que tu veux atteindre, c'est peut-être la 10e marche. Et là, tu es qu'à la première. Donc, il va falloir que tu montes les marches petit à petit. Et les marches, c'est une action va t'amener une autre action, et une autre action, et une autre action. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un partage que je fais avec vous sur mon chemin, parce que les gens ne comprennent pas forcément comment j'en suis arrivée à faire des lectures d'âme, alors que mon parcours, au début, il était destiné complètement à autre chose, apparemment. Donc, après cette maîtrise de commerce international, je suis passée sur, donc j'ai fait un master marketing international et négociation à Lille, donc l'Université catholique de Lille. Bonjour les Lillois, s'il y en a, le nord de la France. Donc je suis restée un an et puis j'ai fait donc un stage d'études d'implantation de la générale d'optique au Maroc. Donc, j'ai vécu pendant 6 mois à Casablanca et j'ai absolument adoré parce que ça me tenait à cœur déjà de comprendre la culture marocaine, la culture du Maghreb, de comprendre ces gens, leur approche. Et malgré que j'ai été victime à plusieurs reprises dans mon adolescence de… J'ai été victime en fait de gens qui m'ont dit sale française, j'ai été victime de personnes qui étaient maghrébines ou de personnes black, mais j'ai aussi été victime de personnes blanches. Et je me suis jamais dit que j'allais mettre tout le monde dans le même sac. Non, bien au contraire. Pour moi, il y a des cons partout. Donc, il y a des cons blacks, il y a des cons blancs, il y a des cons beurre, voilà, black, blanc, beurre. Comme il y a des gens super beaux et super intéressants qui sont blacks, qui sont beurre et qui sont blancs. Donc, c'était important pour moi, en fait, de revenir, en fait, enfin, d'aller au Maroc. Et pourquoi je me livre sur ça? Parce que, finalement,
on est riche de ses origines. Et moi, j'ai des origines espagnoles. Je ne parle pas l'espagnol, mais en tout cas, j'ai une maman qui est née au Maroc et une grand-mère qui est née au Maroc, et donc une grand-mère qui, quand même, parlait l'arabe, alors qu'elle n'était pas marocaine. Mais j'ai toujours été, j'ai toujours voulu comprendre. Parce que pour moi, encore une fois, comprendre les cultures, comprendre la richesse des autres, comprendre pourquoi toi tu penses comme ça alors que moi ma réalité elle est différente, je trouve que c'est important. C'est-à-dire c'est important de comprendre qu'aujourd'hui on n'a pas une réalité et qu'un seul modèle de vie. On a chacun vit sa réalité, chacun va vivre sa réalité par rapport aux gens qui les entourent, chacun va vivre sa réalité par rapport au parcours qu'ils ont fait, et chacun, moi j'ai pas décidé, enfin j'ai pas décidé, mon âme a très certainement décidé de s'incarner dans la famille dans laquelle je me suis incarnée, mais par contre, en tant que personne donc de cette planète, je suis blanche, je suis née en France. Il y en a d'autres qui vont naître en Asie, en Afrique, aux États-Unis. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais pu être noire, j'aurais pu être jaune, j'aurais pu, voilà. Et pour moi, peu importe, ce qui est important, c'est de comprendre que la différence nous enrichit énormément. Énormément. Et j'ai une anecdote par rapport au Maroc, c'est que j'ai trouvé que les Marocains étaient des gens très chaleureux, très dans l'accueil. Et j'ai quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué là-bas, où je pense que ça a mis aussi, ça a réveillé mes émotions, c'est que j'ai été invitée dans une famille qui n'avait pas grand-chose. Et malgré qu'ils n'aient pas grand-chose, j'ai été invitée par cette famille et ils m'ont accueillie. Avec le tellement fait venir une personne chez eux pour me faire du henné, parce qu'ils avaient envie de me faire découvrir le henné sur les mains, c'était absolument magnifique. Ces gens-là, ils avaient envie de me partager, ils ont partagé leur couscous. J'ai mis ma main dans le plat avec tout le monde et j'ai trouvé ça excellent de faire ça parce que c'est absolument génial pour moi, c'était nouveau et j'étais en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et ce que j'ai remarqué, c'est que même s'ils avaient peu de matériel, eh bien quelque part, ils avaient tout. C'est-à-dire qu'ils avaient tout, ils étaient dans l'entraide entre eux, ils étaient entre frères et sœurs. Il y avait quelque chose de très très fort entre eux, une belle énergie, on a rigolé, on a souri, et le plus important pour moi c'était ça. Et quand la femme qui m'a invitée donc chez elle, elle m'a dit « tu reviens quand tu veux » et qu'elle m'a serré dans ses bras super fort, et elle m'a dit « bah voilà, t'es comme ma fille ». T'es ici, t'es bienvenue chez nous. Je peux vous dire que là, je me suis dit, il s'est vraiment passé un truc. Il s'est vraiment passé un truc parce que j'ai compris à quel point c'était intéressant et à quel point c'était fort finalement d'avoir des liens durs entre des êtres et d'avoir cette énergie d'amour, de cette énergie de paix. Et voilà. Donc juste pour dire que c'est 6 mois au Maroc, eh bien, m'ont permis également de parler les langues, puisque moi j'ai trouvé ça drôle. Donc par exemple, je peux vous dire salam alaikum, je peux vous dire Smithy, Céline, Psharfa Marek, c'est quel est votre âge, Ashnuk Kadir, c'est qu'est-ce que tu fais. Et moi, ça m'amuse, en fait. Ça m'amuse de traverser des mondes. Ça m'amuse d'apprendre des langues. C'est tellement enrichissant pour soi. Voilà, juste pour vous dire aussi que même si tu n'apprends pas à l'école, eh ben moi, par exemple, j'ai appris un peu le dialecte marocain sur le terrain, et puisque j'avais envie. En fait, quand on a envie de quelque chose, eh bien, quand on a envie, on le fait, un point, c'est tout. Je ne vais pas réfléchir à me dire, est-ce que je peux apprendre, est-ce que je vais me mettre dans des bouquins, est-ce que... Non, je suis sur place, j'échange avec les gens, je leur pose des questions, je n'ai pas honte de dire, bah voilà, je vais répéter après vous, même si mon accent il est pourri, eh ben, je vais répéter après vous. Et puis voilà. Je me
détache complètement du ridicule. Je me détache complètement du jugement des autres. Je fais ce qui me plaît, tout simplement. Donc voilà, donc ça a été une expérience absolument très très riche. Je connais une trentaine de villes au Maroc. J'y suis retournée plein de fois dans ma vie et ça a été une période importante où vraiment j'ai connecté avec des gens absolument fabuleux, des gens ouverts et des gens qui avaient une culture énorme. Donc voilà. Ensuite, je suis partie donc à Londres et là, j'ai commencé donc cette fameuse carrière, bien sûr la carrière que beaucoup d'entre nous prennent parce que c'est bien, parce qu'il le faut. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est ce que j'appellerais le conditionnement de la société et c'est également la façon dont je décide en fait de donner ou pas du sens à ma vie par rapport à qui je suis. Alors, dans cette phase que j'appelle cette phase de chenille, eh bien, le sens à ma vie, c'était gagner de l'argent. Le sens à ma vie, c'était d'avoir cet aspect chenille. Et du coup, de prendre la direction de ce qu'on appelle le succès. Donc, le succès, comme je répète, gagner de l'argent, être numéro un, être dans la compétition. Donc bien sûr dans la compétition, moi, j'ai aimé la compétition dans le sport par exemple. J'ai fait un championnat de France d'athlétisme, un championnat de France de hand. J'ai adoré parce que ce que j'ai aimé dans ces championnats de France, c'est l'esprit d'équipe. Encore une fois, c'était le partage. C'était l'humain, c'était de retrouver mes copines et de faire la fête après dans les vestiaires, d'hurler parce qu'on avait gagné. Voilà, c'était sur le terrain également l'esprit d'équipe, l'équipe, donc toujours le partage et la création du lien avec les autres. Et voilà. Par contre, quand je suis partie à Londres, donc j'ai commencé sur la première échelle, c'est-à-dire que je suis partie avec 350 livres en poche. Donc ça fait pas grand chose, surtout les gens qui connaissent Londres, et j'étais hébergée. Et en fait, personne m'a dit fais ci, fais ça. C'est en fait, je me suis dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux créer ton futur. Et créer ton futur, c'est à Londres, parce que Londres, ça répond chez toi. T'aimes bien la culture, ça va plus vite, et vu que tu parles anglais, alors tu peux le faire. Donc je me suis dit, ok, je vais le faire. Sur les 6 premiers mois, j'ai eu beaucoup de surprises. C'est-à-dire que j'ai remarqué que lorsque vous n'avez pas grand-chose et que les gens veulent vous aider, eh bien, vous avez peut-être connu ça. Il y a des gens qui vont essayer de tirer profit de vous. Donc, j'ai pas eu que des histoires jolies hein, à Londres les 6 premiers mois. J'ai habité avec différentes nationalités. Donc, j'ai fait de la colocation, puisqu'on est dans l'ère du co, on est co-créateur, donc c'est l'ère du partage. Donc, j'ai habité avec des Chinois, j'ai habité avec des Russes, j'ai habité avec des gens qui venaient de Barbados, j'ai habité avec des gens de Colombie, j'ai habité avec des gens de France, avec des gens d'Italie, avec des gens qui venaient de Suède. Bref, vous aurez compris, j'ai fait de la colocation à peu près pendant 4 ans. Et ça a été vraiment, vraiment très riche parce que c'est trop drôle de s'apercevoir qu'un jour, vous avez une personne en plus qui habite chez vous et que vous ne le saviez pas. C'était un Asiatique et ils étaient hyper discrets et très respectueux dans leur culture, dans leur façon d'être. C'est très drôle de vivre avec des Russes qui le matin, à 6h du matin, mettent des musiques, je croyais que j'étais à l'armée. C'est l'influence de chaque pays. On grandit tellement avec nous tous et quand on est mélangé et quand on exprime notre culture et qui on est. Donc voilà, donc juste pour revenir à Londres, c'est que les 6 premiers mois, puisque je me suis lancée un peu dans un nouveau challenge et je suis partie un petit peu, ce qu'on pourrait dire, à l'arrache, eh bien, quand on fait les choses à l'arrache sans filer, parfois, ça peut être violent. Donc j'ai eu beaucoup d'expériences. J'ai eu des gens malsains qui ont voulu me tendre des pièges que j'ai évité et où je me suis sentie beaucoup de fois protégée. Des gens qui veulent abuser de vous parce que justement vous êtes dans une situation où vous n'avez pas beaucoup et donc on vous fait
passer la facture émotionnelle. Donc, il y a des gens qui parfois vous donnent des choses et qui en retour vous demandent autre chose. Donc, ils vous demandent autre chose ou alors ils font jouer sur la carte des sentiments. Donc là, on reviendra sur ces sujets-là de perversion narcissique ou des gens, des manipulateurs ou profiteurs. Je pense qu'on en a tous rencontré. Voilà. Et puis, donc, j'ai avancé. Et comme on dit en anglais, to make a long story short, eh bien, j'ai eu 6 postes à responsabilité. Responsabilité, c'est-à-dire que finalement, j'ai eu 6 postes. J'étais directrice des ventes Europe pour une boîte américaine, donc dans le e-commerce, au bout de 6 ans. Et je gagnais très très bien ma vie, donc jusqu'à 2011, on va dire que j'étais dans effectivement ce que j'appelle briller de l'extérieur. Donc briller de l'extérieur, ça veut dire que c'est quand tu te construis sur ce qu'on te dit de faire ou quand tu te compares aux autres et que tu es dans cette course au pouvoir, cette course au matériel. Et en fait, moi j'ai fait cette course sans savoir pourquoi et en tout cas, enfin sans savoir pourquoi, parce que en fait je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Et finalement, après toutes ces études et toute cette expérience, j'ai réalisé que finalement, j'étais pas si heureuse dans ma vie. Malgré qu'à l'extérieur, j'avais une richesse matérielle, j'avais un copain, je voyageais, j'avais des responsabilités au travail, j'étais perçue, donc j'étais manager, j'avais des équipes. Donc de l'extérieur, quand tu dis un nom, que tu es directrice des ventes et tout, ça claque, clairement. Mais la réalité, c'est que de brasser des millions et d'amener des millions à une entreprise, c'était cool parce que je contribuais au bonheur et au rêve du chef d'entreprise, contribuer à ce système dans le e-commerce. J'ai appris énormément de choses, mais je ressentais au fond de moi que c'était pas moi. Voilà. Et finalement, j'ai ressenti également que j'étais quelqu'un d'autre. J'étais pas forcément à ma place. Alors là, je parle de ça parce qu'il y a peut-être entre vous beaucoup d'experts, donc des gens qui ont fait des bacs plus 5, des bacs plus 8, qui sont arrivés, donc ils sont à la pointe, ils sont experts de quelque chose, ils sont reconnus, mais finalement, ils se disent « Oh my God !» Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment le chemin que j'avais envie de faire? Et là, quand tu commences à te poser ces questions et que tu ressens qu'à l'intérieur, tu es vide et qu'il faut remplir tout ça, ça veut dire que tu es au bord de la transition. C'est-à-dire que ça veut dire que tu vas passer, alors ça peut être des gens qui ont fait ou pas des études, hein. Vous pouvez avoir aussi un très beau métier, être artisan ou fabriquer quelque chose et vous dire la même chose, vous ressentir vide et donc il faut remplir ce vide et rechercher. Donc c'est là où vous allez faire la transition. Donc soit cette transition, elle se fait de manière douce parce que vous vous réveillez avant d'être dans cette transition, d'accord ? Soit vous allez être forcé par le destin de faire cette transition. Donc, soit vous vous réveillez, vous faites du développement personnel et vous commencez à creuser au fond de vous pour aller chercher la pépite que vous êtes dans vous pour faire quelque chose de différent dans votre vie, faire quelque chose qui vous appelle plus, faire quelque chose qui est tourné à aider l'autre, etc. Ou alors, l'univers vous secoue. Donc moi, en fin 2011, décembre 2011, je me suis dit, bon, je ressens un vide, je suis experte en, alors je vais aller chercher plus d'argent ailleurs. Et j'ai fait le pas d'aller voir si l'argent était plus verte, alors que dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était absolument génial. Il y avait un super, super esprit d'équipe, super environnement. C'était vraiment une entreprise qui vous aidait à vous développer. Il y avait des formations, etc. Donc, une entreprise qui vraiment était engagée avec ses employés. Et c'était génial, en fait, déjà. Mais vu que je ressentais ce vide, je me suis dit, bon, allez, allons voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et en fait, j'ai décidé de changer de poste et de lancer une filiale au UK parce que donc, j'ai été recrutée par une entreprise française. Et dans le travail, j'ai eu un choc des cultures dans le travail. J'ai eu un choc de la culture de cette société au niveau de la politique, au niveau de la communication, du politiquement correct, de « je te connais donc tu passes », etc., etc. Toutes ces stratégies
Alors que moi, d'abord, j'étais dans un environnement de méritocratie. C'est-à-dire que tu commences à la première marche de l'échelle. Si tu es bon et que tu es vraiment doué et que tu es vraiment investi, tu montes, tu montes, tu montes et on te laisse monter. Voilà. Et donc, finalement, cette transition, en fait, enfin, le fait d'avoir changé et basculé sur un autre métier, eh bien, j'ai basculé sur quelque chose qui a descendu ma vibration, qui m'est rentré dans la tristesse. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Cette tristesse, en fait, que j'ai eue, ça a fait l'accumulation. C'est-à-dire que cette énergie, vous savez, quand vous rentrez dans un vortex énergétique négatif, dans une catégorie de vos vies, donc par exemple, si vous rentrez dans la catégorie du travail et que vous commencez à créer cette énergie négative, eh bien, ça va déteindre sur d'autres catégories de vos vies. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ça peut déteindre sur votre couple. Moi, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence. Ça a commencé à se déteindre sur mon couple. Et puis, ça a commencé à se déteindre sur ma santé. Donc, je commençais à prendre du poids, perdre mes cheveux, stresser, rentrer dans la paranoïa, etc. Et donc, en fin de compte, l'univers en 2012 a fait un raz-de-marée total dans ma vie. C'est-à-dire qu'en 2 mois, j'ai tout perdu. Et là, j'ai perdu mon job. J'ai failli rester étouffée à cause d'un brugnon. Voilà, qui m'a bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Donc j'ai déclaré une paranoïa sur tout ce que j'allais manger. Une semaine plus tard, mon copain me largue du jour au lendemain. Bref, toutes ces notes négatives qui se sont transformées, qui ont fait boule de neige dans ma vie, et en fait, j'ai perdu catégorie par catégorie. Donc j'ai eu un raz-de-marée, et en fait, après 7 ans à Londres, je me suis retrouvée en 4 jours en France. Eh bien, je vais dire, en 4 jours, j'avais plus ma propre maison, je vivais plus dans le pays dans lequel j'étais, j'avais plus mon copain, plus mon job, j'avais plus rien, ok. Et j'ai eu comme ce raz-de-marée où, en fait, je me suis retrouvée assise comme ça, et à pas savoir pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je devais faire, etc. Et je suis sûre que ce que je suis en train de raconter là, ça résonne peut-être chez vous. Alors, soit vous êtes en mode chenille et vous vous demandez si vous allez faire la transition, soit vous êtes en mode, transition, vous avez tout perdu d'un seul coup et vous n'avez pas compris. En fait, ce que l'univers vous demande dans ces cas-là, l'univers vous demande de vous reconnecter à vous. L'univers vous demande de creuser et de faire ressortir le vrai vous et ressentir la personne qui est vraiment authentique. Et moi, en fait, à travers ces émissions, j'aimerais vous donner des pistes, j'aimerais vous donner des actions, j'aimerais vous expliquer comment on ressort de ça. Puisque finalement, moi, j'ai mis 1 an et demi à refaire surface. Bon, j'étais bien amochée, hein, quand même. J'ai eu beaucoup de... En fait, mon corps a pris le dessus sur mon esprit, on va dire. Et j'avais vraiment des maux bizarres, des étouffements, etc. Et en fait, tout ça, je me suis accrochée et je me suis dit, il y a une raison pour laquelle je suis en train de vivre ça. Il y a très certainement... Et ça a été hyper douloureux. Je pleurais, je ne savais plus, j'avais plus de cadre, etc. Et finalement... j'ai dû m'entourer de plein de gens. Donc, n'hésitez pas à écouter les conseils des amis positifs. N'hésitez pas à prendre des bouquins pour vous aider à comprendre ce qui se passe quand on passe par cette transition. N'hésitez pas à tout simplement passer à l'action, vous écouter, vous réveiller. Mais en tout cas, c'est important d'être entouré, c'est important d'investir à un moment donné sur soi. Alors, l'investissement sur soi, c'est plutôt que d'investir parfois dans des choses que vous mangez et qui détruisent votre santé, ou plutôt d'investir dans une voiture rapide qui peut vous créer un accident, ou plutôt de vous racheter une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau pantalon, bah, peut-être que vous devez investir cet argent sur vous pour essayer de vous développer et ressortir la vraie personne que vous êtes. Retrouver de la joie, réaugmenter votre vibration et partir sur votre chemin, sur votre mission d'incarnation. Le temps passe assez vite. J'ai essayé un petit peu de vous dire un petit peu qui j'étais, ce qui s'est passé dans ma vie. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que la transition,
dans votre vie, si vous passez d'un mode chenille à un mode papillon, eh bien ce n'est pas évident et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc gardez le courage, gardez l'espoir que vous allez pouvoir surmonter les étapes. Je ne vais pas vous mentir, moi il y a des jours où je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, à quoi je sers, ça rime à rien, j'étais dans mon bug. En train de répéter tout le temps, c'était arrêt de passer dans mon passé. Et donc, je ne passais pas forcément à l'action. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est vous reconnecter à qui vous êtes. Se reconnecter à soi, c'est l'exercice du début avec l'enfant. Qui je suis à l'intérieur, l'enfant, je le fais vivre, j'écris. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait rire, de qui j'aime être entourée, qu'est-ce qui va vibrer, vous allez ressentir une énergie en vous, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce que. Alors, donc c'est le début de ma présentation, enfin le début, non, une bonne partie de ma présentation, j'espère que ça vous aura aidé d'avoir tous ces éléments. J'ai beaucoup parlé de moi, mais en fait j'ai parlé de moi pour que vous puissiez vous entendre vous. J'ai un peu donné un petit peu de philosophie de vie. Vous avez compris que tout ce qui est différent de moi, je m'en approche. Parce que justement, ça va éveiller ma curiosité, ça va me donner de nouvelles idées. Je vais comprendre de nouvelles choses par rapport à celui que je trouve différent. D'accord ? Moi, je déteste les concepts de diviser pour mieux régner et vous faire croire qu'on est... vraiment très très différent et de vous écarter les uns les autres parce que vous n'avez pas la même religion, parce que vous n'avez pas la même couleur. À la fin, on est des êtres humains et ce qui est important, c'est de créer du lien positif énergétique avec les autres. Il y a des gens qui vont pas vouloir créer du lien avec vous, c'est pas grave, vous laissez tomber. Il y a des gens qui vont entrer dans la jalousie, dans la colère, vous laissez tomber, vous coupez. Tout ça pour dire que allez chercher vers l'autre ce que vous n'avez pas pour grandir. Allez chercher vers l'autre ce qu'il y a de positif en lui. On a tous une part de positif, on a tous une part de négatif. Ça, c'est clair. C'est comme si j'avais un ballon blanc et un ballon noir. Et quel est le pouvoir et la puissance que j'ai envie de donner à quel ballon et lequel j'ai envie de faire grossir en moi? Et il y a des gens à l'extérieur qui vont peut-être vous faire grossir le ballon noir. Dans ces cas-là, vous attirez pas ces personnes à vous. Vous allez attirer les personnes qui vont reconnaître chez vous quelque chose qu'ils ont envie d'apprendre, de creuser, quelque chose qu'ils ont envie de traverser, etc. Donc, je suis devenue un papillon après cette chenille, cette transition et ce papillon. Et je vous expliquerai en fait comment on peut mieux se transformer. Donc, je vous donnerai des techniques un petit peu de comment je me transforme, ou en tout cas, du moins, des façons de voir les choses. J'espère que ce que je vous ai dit a été porteur de message, que vous avez compris certaines choses. Je vais vous donner un exercice rapidement à faire chez vous, parce que j'aime bien quand on avance, et donc pour avancer, c'est déjà de pouvoir mettre, donc là on fait un coaching de groupe tous ensemble, il nous reste 3-4 minutes, c'est si vous pouvez prendre votre feuille et inscrire toutes les catégories de vie. Donc, vous allez mettre couple, vous allez mettre famille, vous allez mettre ami, vous allez mettre hobby, activité, vous allez mettre profession, vous allez mettre spiritualité, apprentissage, argent. Vous allez mettre toutes ces catégories-là et vous allez, s'il vous plaît, imaginer ce que vous voulez dans 3 mois, ce que vous voulez dans 6 mois ou ce que vous voulez dans 1 an. Et vous allez mettre l'image de fin, l'image que vous avez de fin sur ce que vous voulez, et vous allez vous mettre, donc ça sera votre 10 sur 10. Donc, en santé, où est-ce que je vais aller? Par exemple, santé, je veux maigrir de 4 kilos, c'est mon image finale. Où est-ce que je suis actuellement sur une échelle de 0 à 10? Je suis à 3 sur 10. Pourquoi? Parce que je fais attention à ce que je mange, je bois plus d'eau, je fais de l'activité sportive. Donc, je suis à 3 sur 10. Qu'est-ce que je vais faire pour passer d'un 3 à un 4? Voilà. Donc, vous pouvez vous auto-coacher avec des petits exercices comme ça, rapides. Donc des exercices en fait qui vont être pour vous et vous allez pouvoir mettre des actions. D'accord? Ne mettez pas trop d'actions dans une journée, ne mettez pas trop de choses. Voilà, je vous ai parlé de moi, on a fait connaissance ensemble ce soir. J'espère eh bien que cette émission vous a plu. J'espère vous revoir pour la prochaine. Encore une fois, j'ai plein de thèmes que je vous réserve, beaucoup d'invités et j'espère que vous avez passez un bon moment et réfléchissez bien
à la joie. Réfléchissez bien à comment vous allez créer de la joie chaque jour, comment vous allez créer de l'énergie positive pour vous et pour les autres. Et on reviendra sur tout plein de sujets. Vous pouvez correspondre avec moi sur Facebook ou sur les commentaires. Je remercie encore la chaîne CCN de me donner cette opportunité. Et je vous dis donc à mardi soir prochain, donc avec un nouveau sujet d'émission. On a fait connaissance, on était un peu timide, mais les prochaines fois, ça va aller crescendo et on fera des exercices également à distance, des exercices d'énergie, et j'offrirai à l'occasion pour certaines personnes des lectures d'âme également en direct sur photo, voilà, si possible, et on fera donc des méditations ensemble. Ce qu'on veut créer, c'est de la joie, de la paix, de la lumière, du contact avec les autres et vivre dans une belle vibration. Voilà, je reviendrai avec tout plein de sujets. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée et je vous dis à très très vite sur l'émission Transcendance, émission 2, mardi prochain à 22h. Ciao. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over 1,000 shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people. And it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.